Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les populations de Diakotomé prient pour la paix en période électorale. Une initiative de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique. Il s'agit d'une journée œcuménique de prière pour les élections présidentielles inclusives et apaisées en 2021 au Bénin. Toujours pour maintenir et veiller à la paix en période électorale 2021, le groupe national de réponse électorale GNRE entend contribuer à prévenir et surtout atténuer les risques et menaces identifiés au cours du processus électoral. C'est une idée de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin. Un point de presse a été tenu ce lundi pour restituer la séance des consultations faites dans ce cadre. On continue de célébrer l'excellence dans la commune de Semepoji. Les meilleurs élèves aux examens du CEP, BEPC et Baccalauréat se sont vus distingués. C'est une initiative de l'ONG Promo Éducation et Loisirs qui, depuis plusieurs années, œuvre pour la promotion de l'excellence dans la localité. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Une journée œcuménique de prière pour les élections présidentielles inclusives et apaisées en 2021 au Bénin. C'est une initiative de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique FOPA, présidée par Gilbert Dakès-Diokès. L'événement s'est déroulé ce samedi à Ouigamé, dans la commune de Diakotomé, c'est dans le département du Koufour. Suivant. Gilbert Dakès-Diokès, c'est lui. En tenue traditionnelle blanche, il est le président de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA. Il reprend son bâton de pèlerin après quelques mois d'hibernation. En croisade pour la paix et des élections présidentielles inclusives et apaisées en 2021 au Bénin, il est ici dans la cour de l'école primaire publique de Ouigamé, dans la commune de Diakotomé, dans le département du Koufour, pour prendre part à une journée œcuménique de prière. Monsieur le Président de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, cher aîné, votre initiative est salutaire et fédératrice, car elle met en union de prière toutes les filles et tous les fils d'un même pays, d'un même arrondissement, voire même d'une même société. Sur invitation de la FOPA, la plupart des confessions religieuses, religion traditionnelle et ordre spirituel ont marqué la journée de leur présence. Les prières ont été dites en langue locale. L'initiative de cette journée, dois-je le rappeler, s'inscrit dans le cadre des actions pour la préservation en toutes circonstances de la paix dans le cadre des prochaines élections présidentielles. Il nous est paru nécessaire. En effet, après le passage du chef de l'État pour sa tournée de reddition des comptes, d'organiser une journée de prière pour implorer Dieu Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux, et au nom des membres de nos ancêtres à veiller sur le Bénin, afin que tout se passe bien à l'occasion des prochaines élections présidentielles. Chaque groupe, suivant ses rites et rituels, a invoqué Dieu et les membres de nos ancêtres pour que le mauvais sort qui plane sur la prochaine présidentielle soit conjuré et que tout le processus électoral de 2021 se déroule dans la paix avec la participation de tous les fils du Bénin. Je remercie sincèrement M. le Président du FOPA qui a pu organiser cette rencontre ici présente pour la paix, surtout dans la paix au Bénin, la paix dans tous les départements et la paix en Afrique. Je le remercie sincèrement. Merci beaucoup. Il nous plaît de dire un sincère merci au chef de l'État qui ne loupe aucune occasion pour rassurer de son engagement à faire organiser des élections présidentielles inclusives et donc ouvertes à tous. Le combat pour la présence de tous aux prochaines élections présidentielles, nous l'avons engagé et le poursuivons à travers nos diverses actions en vue de l'assouplissement ou de la suppression du parrainage. Nous appelons alors la Sénat, le COSLEPI, la Cour constitutionnelle et des parlementaires à leur devoir pour faire des élections présidentielles à venir des moments de fête. Chers compatriotes, honorables invités, chers parents,
Faisons la paix partout où nous sommes, autour de nous et avec les autres. Paix au Bénin. Paix en Afrique et dans le monde. La FOPA est une institution panafricaine de droit commun qui s'investit dans la prévention des conflits et la préservation de la paix. Elle existe depuis 1991. Lancement d'une série de sessions d'échange sur les opportunités de la francophonie au CEG Oumaka dans la commune de Comé. L'exercice qui se déroulera dans une dizaine de collèges, lycées et universités sur toute l'étendue du territoire national va permettre une vulgarisation des opportunités de la francophonie et la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Reportage. Cette cérémonie de remise de prix met en exergue les élèves du Collège d'enseignement général de Oumaka, qui ont excellé et qui excellent non seulement en français, mais aussi dans les autres matières. Elle est l'un des moments forts de cette séance entre le professeur Adolphe Bachavi, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, CNPF, et les meilleurs élèves du CEG Oumaka. Je voudrais donc vous féliciter pour avoir mérité les prix que vous venez de recevoir et que vos camarades qui n'ont pas eu de prix qui puissent se dire qu'ils peuvent encore se hisser au niveau où vous êtes parvenus. Chers apprenants, on ne naît pas lauréat, on le devient. Et pour le devenir réellement, il faut passer par des étapes. Aujourd'hui, c'est la joie dans le cœur. Je voudrais tout de même prendre l'engagement au nom de nous tous que nous évertuerons à poursuivre le travail pour de plus brillants résultats en vue du rayonnement du CEG Oumaka au plan national. Le plan de résistance de cette séance qui a été la discussion entre le professeur Adolphe Bachavi et les élèves a porté sur la francophonie, un instrument au service du développement à tout et opportunité. Une occasion de partage d'informations sur les nombreuses opportunités dont regorge la francophonie et qui ne sont pas toujours connues dans les lycées et collèges du Bénin. Quelles sont ces opportunités-là? Il y a des bourses d'études, il y a des réseaux de formation et d'échanges pédagogiques, il y a des réseaux de formation professionnelle, il y a des outils et les nouvelles outils de technologiques d'apprentissage, il y a des organismes de coopération culturelle et scientifique dont les enseignants et les apprenants que vous êtes, vous pouvez suffisamment en profiter, mais ce qui n'est pas le cas. Le CEG Oumaka, situé dans la commune de Comé, dans le département du Mono, ouvre ainsi le bal de cet exercice de vulgarisation des opportunités de la francophonie. L'exercice se déroulera dans une dizaine de collèges, lycées et universités du Bénin. Je tiens à réitérer mes remerciements à toutes les autorités pour l'accueil de cette initiative qui va se pérenniser par le club de la francophonie qui sera installé ce jour. Ce club sera composé de vous, les lauréats de ce jour. Sous la supervision d'un enseignant ou de quelques enseignants, ce club sera le partenaire privilégié de la Commission nationale permanente de la francophonie pour promouvoir et diffuser l'excellence, pour engager d'autres initiatives au niveau de ce collège. Monsieur le professeur, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour l'initiative. Cette activité a été initiée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération à travers la Commission nationale permanente de la francophonie. Un important lot d'ouvrages a été offert au CEG Oumaka pour renforcer son centre de documentation. Nous allons à présent parler de la tournée du chef de l'État dans plusieurs localités du Bénin. Boïkon, à l'instar des autres communes du Bénin, a accueilli le président Patrice Talon. Saisissant l'occasion, l'autorité communale a dressé le bilan des actions menées sur son territoire. Des doléances ont été également formulées à l'endroit du chef de l'État. Suivons. Boïkon vous dit merci
pour les travaux d'asphaltage et d'éclairage de voies qui ont considérablement, sur 14 km, transformé, métamorphosé la physionomie de ces agglomérations. Bon, on vous dit merci, monsieur le chef de l'État, pour la réalisation des travaux de pavage du carrefour Zakor au CEG Mouillon à Dija. Bon, on vous dit également merci comme commune bénéficiaire du méga projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Nous souhaiterons vivement que vous aidiez Boycon à rénover ses palais royaux, que la traversée de notre belle ville, une grande ville, cette traversée, soit faite en deux fois deux voies. Le Bénin a retrouvé ses valeurs. Parce que ce qui s'est passé depuis longtemps, en fait, ça ne nous ressemble pas. Nous avons cru subitement à nous-mêmes. Nous avons une dynamique nouvelle qui nous a permis de révéler notre réelle personnalité, celle du Bénin. De révéler nos compétences, nos capacités individuelles. Le véritable bilan de notre dynamique depuis 5 ans, c'est cette renaissance. Je l'ai annoncé en début d'édition, le groupe national de réponse électorale GNRE est une idée de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin. L'objectif de ce groupe est de restituer, de contribuer à prévenir et surtout atténuer les risques et menaces identifiés au cours du processus électoral. À la faveur d'un point de presse tenu ce lundi, les responsables du GNRE ont restitué la substance des différentes consultations faites dans ce cadre. Voici un extrait de la déclaration rendue publique. La présente déclaration permet de faire le point des questions discutées, de partager les observations faites et de formuler quelques recommandations. Du point des audiences, au niveau du comité d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLIPI, les préoccupations exprimées ont trait à l'actualisation et la fiabilité de la liste électorale en ce qui concerne l'enregistrement des Béninois de la diaspora et l'apurement des personnes décédées et celles ayant perdu les droits civiques. La crédibilité de la liste au regard de l'absence, au sein du COSLIPI, de représentants des partis politiques de l'opposition. L'expiration au 31 janvier 2021 des 4 LEPI délivrés en 2011. À ces préoccupations, le président du COSLIPI, le député Gilbert Bangana, a répondu que des dispositions sont prises pour assurer tout le monde et qu'à cet effet, il est mis en place un cadre de concertation pour l'actualisation de la LEPI. Avec l'ancien président Dr Boni Yayi, de l'essentiel des discussions, on peut retenir que l'ancien président a relevé l'importance de l'opposition, posé la question du parrainage, souhaité que les élections demeurent des occasions de fête au Bénin. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le groupe national de réponse électorale a plaidé pour l'accompagnement de tous les partis politiques en cours de processus d'enregistrement par le ministère. Avec le président de la Cour constitutionnelle, il a été abordé le rôle de la Cour dans l'organisation d'une élection apaisée et l'interprétation des dispositions régissant la présidentielle de 2021. La délégation a invité la Cour, dans son impérium, à avoir à cœur la paix, la cohésion et l'unité nationale quant aux impacts de ces décisions en période électorale. Le groupe voudrait formuler quelques recommandations à l'endroit du chef de l'État, le groupe national de réponse électorale recommande de prendre les dispositions républicaines nécessaires à la concrétisation de sa demande de pardon, de sa déclaration rassurant de l'enregistrement de tous les partis qui le désirent, y compris les démocrates, de sa volonté de voir tous les candidats qui désirent se présenter à l'élection
présidentielle de 2021 de le faire. Aux institutions et acteurs impliqués dans le processus électoral, le groupe recommande de travailler sans parti pris et de jouer convenablement leur rôle dans le processus électoral dans un climat apaisé. Aux partis politiques, d'œuvrer pour le dialogue permanent et la concertation en vue d'une élection inclusive et pacifique. Aux populations, de garder le calme. Aux organes de presse et web activistes, de faire preuve d'objectivité et d'équité dans le traitement des informations. Les élections professionnelles sont pour bientôt. Les centrales et confédérations syndicales s'y préparent ardemment. Pour l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, ce n'est donc pas le moment d'aller en rang dispersé. Et c'est ce qui a marqué le retour de 4 syndicats dans la centrale ce lundi à la Bourse du Travail à Cotonou. Les détails avec Assiomon Kany, Assiomon. C'est le grand retour au sein de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Le syndicat national des professeurs permanents et contractuels du Bénin, le syndicat national des techniciens supérieurs de l'action sociale, le syndicat national des professeurs des lycées et collèges et le syndicat national des agents des collectivités locales du Bénin. Ces 4 syndicats avaient suspendu leur participation aux activités de l'UNSTB en raison de certains problèmes avec l'ancien bureau. Avec l'arrivée d'une nouvelle équipe et vu les enjeux qui se dessinent, ils ont décidé de conjuguer les efforts. Nous sommes revenus à la maison pour reconstruire la maison et nous sommes convaincus que notre expérience va aider à ce que les choses se fassent dans les règles de l'art. Nous ne sommes pas venus pour revendiquer quelque chose ni pour faire de la vengeance. Je dis bien, nous sommes venus pour construire. Avec ces retours, rassure les syndicats, l'UNSTB va se faire beaucoup plus visible et n'échouera pas. Pour le nouveau secrétaire général de l'UNSTB, Apollinaire Afewe, une maison divisée ne peut tenir et il faut alors se donner la main. Sans être ensemble, unis, solidaires, on ne peut pas aller de l'avant. Et le mouvement syndical dans notre pays aujourd'hui est un mouvement qui traverse des difficultés qui nécessitent la remobilisation de tous les travailleurs. Un pari que veut gagner l'UNSTB en remobilisant la troupe. Une unification donc pour aller aux élections professionnelles. Je voudrais donc signaler de façon solennelle à tous les militants et à toutes les militantes de SINAPROLIC, de SINATESAS, de SINAPEC, que désormais nous sommes un. Tel que vous nous voyez ce soir à l'estrade, c'est comme ça que la main dans la main, nous allons conduire désormais les destinées de l'UNSTB. Nous allons travailler parce qu'il y a un défi dans lequel nous sommes nés et pour lequel nous devons tous nous battre, le défi des élections professionnelles. À cette rencontre de réunification, l'UNSTB a accueilli le syndicat national des enseignants pour un consensus solide, une adhésion qui vient renforcer la confédération. Démarrage ce lundi de la 6e revue annuelle des réformes, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les participants seront amenés du 7 au 11 décembre prochain à se pencher sur les difficultés de mise en œuvre des réformes et rechercher les voies et moyens pour accélérer leur application. Le point avec Nagui Balabé. Je vous remercie. Identifier et anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement en vue d'une meilleure participation du Bénin au processus d'intégration régionale. Tel est l'objectif assigné à cette 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UOMOA au Bénin. Il sera donc question pour les structures nationales en charge de la mise en œuvre des réformes, d'une part, et le bureau de représentation, d'autre part, de se pencher sur les difficultés éventuelles et les moyens pour en venir à bout, de manière à accélérer l'application des réformes. La revue annuelle 2020 a été précédée de séances de travail
d'ateliers et d'interactions diverses entre le bureau de représentation et l'État du Bénin. À l'effet de booster la transposition de l'application des textes en difficulté et d'accélérer l'exécution des projets et programmes en retard. Les efforts consentis de part et d'autre ont permis d'identifier des voies afin d'apporter des solutions idoines aux contraintes relevées. Au cours des présents travaux, il sera question d'échanger à travers une grille de pondération des actes communautaires retenus de commun accord avec les parties prenantes et d'en dégager ensemble la performance réalisée par le Bénin dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Cette sixième revue va permettre par ailleurs de faire le point de l'avancement de la transposition et de la mise en œuvre des directives, protocoles, règlements et décisions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Il s'agira également de vérifier le taux d'exécution physique et financière des programmes et projets en cours au Bénin. Mesdames et messieurs, l'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier, qui se tiendra du 7 au 11 décembre 2020 par visioconférence avec nos collègues de Ouagadougou, loin d'être une formalité communautaire, vise à faire le point exhaustif de la mise en œuvre des actes communautaires dans nos différents secteurs et évaluer toutes les diligences précédemment accomplies pour améliorer le score national et par ricochet augmenter le niveau de performance de notre pays. L'atelier vise à contribuer à l'harmonisation des pratiques au sein des unions communautaires et à cultiver la proactivité susceptible de révéler la participation effective du Bénin au processus d'intégration régionale. Les meilleurs élèves aux examens du CEP-BEPC baccalauréat de la commune de Sémékoudji ont été célébrés ce week-end. C'est une initiative de l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin Idou qui, depuis plusieurs années, œuvre pour la promotion de l'excellence. Le point de la cérémonie de récompense des lauréats dans ce reportage. Artisan infatigable de la promotion de l'excellence, Gabin Idou, à travers son ONG Promo Éducation et Loisirs, a une fois de plus tenu son pari. Pour cette 15e édition de la célébration de l'excellence, ce sont 50 apprenants qui ont été primés, soit les 20 premiers au CEP, les 20 premiers au BEPC et les 10 premiers au bac 2020. Ils ont reçu en récompense des fournitures scolaires, des dictionnaires, des postes téléviseurs plasma, des tissus, des matelas et comme gros lot, cette moto pour le premier au BEPC de la commune, Samuel Akodienou, qui a eu une moyenne de 18,17. La commune de Sémékoudji, qui est commune de l'espoir, est en fête, en joie, car elle célèbre l'excellence de ses fils et filles qui se sont distingués aux examens du CEP, BEPC et BAC. Ces lauréats ont fait la fierté de la commune, même du département, non seulement pour pouvoir faire honneur à eux-mêmes, à leurs parents et également à leurs enseignants. Ces statistiques font davantage connaître notre commune sur le plan éducatif et fait d'elle le label de l'excellence. C'est le moment pour nous de remercier l'ONG Promo Éducation et Loisirs pour son combat quotidien pour la promotion de l'excellence. Merci aux parents, merci aux parrains pour son implication active dans l'organisation de cet événement. Merci aux sponsors et aux hommes de l'ombre sans qui nous ne serions point ici. Nous remercions nos établissements scolaires respectifs. Nous adressons également une attention particulière à nos braves enseignants, ces hommes et femmes qui se sacrifient quotidiennement, quelles que soient les conditions climatiques, psychologiques, physiologiques, pour l'éducation des jeunes dans notre pays et plus précisément dans notre commune. Pour cette 15e édition de la célébration de l'excellence,
L'ONG Promo Éducation et Loisirs a reçu le soutien de plusieurs bonnes volontés, notamment le sieur Germain Nyalonon, promoteur de plusieurs établissements. Nous sommes appelés à encourager toutes les fois que l'occasion se présente à nous, les meilleurs ou divers examens. Cher Lorient au bac, c'est maintenant que votre parcours de combattant est déclenché. Vous êtes appelé à réfléchir avec vos aînés, bien expérimentés bien sûr, afin de choisir la filière de formation qui doit répondre à vos aspirations pour un avenir professionnel radieux. Au-delà des apprenants, les établissements travailleurs de la commune de Semekpoudji ont été aussi distingués. Ces établissements ont donné les meilleurs résultats de la commune ces 5 dernières années. L'Union des femmes, élue conseillère des 4 départements du Nord et des collines, promeut l'éducation à la base. Avec l'appui de la coopération suisse au Bénin, elle a procédé à la remise de matériel didactique et ludique à 19 écoles maternelles publiques. La cérémonie a eu lieu ce mardi à Parako. Suivant. 19 écoles maternelles publiques bénéficient de cet important lot de matériel didactique et ludique. C'est un don de l'Union des femmes élues conseillères des départements de la Liborie, de l'Atakora, du Bouagou, des Collines et de la Donga, UFEC 2ABCD. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux établissements scolaires maternels publics. L'objectif de ce micro-projet est de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail pour un enseignement maternel de qualité dans les écoles ciblées par la mise en place de ressources matérielles didactiques et ludiques. UFEC 2ABCD, dans cette initiative, est appuyée par la coopération suisse-au-Bénin, dont l'ambition vise à promouvoir la préscolarisation. Et ce partenaire technique et financier, par la voix de sa responsable, promet accompagner toute initiative qui cadre avec ses ambitions de développement. Le choix des écoles publiques participe par ailleurs à la réduction des inégalités sociales, car votre soutien bénéficie en premier lieu aux enfants des zones rurales et à l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail pour un enseignement de qualité au profit de la petite enfance. D'un coût de plus de 19 millions de francs CFA, ces matériels ont été remis en présence des autorités politico-administratives des communes et départements des zones bénéficiaires. Je viens de réitérer toutes mes gratitudes à l'Union des femmes conseillères communales et municipales des départements de la Liborie, de l'Atakora, du Borgou, des Collines et de la Donga, UFEC ABCD, pour ses efforts constants en faveur des âmes immatures et particulièrement à la coopération suisse. Le gouvernement du Bénin a inscrit l'éducation au nom des priorités du PAG à travers l'axe stratégique numéro 5 dénommé « Améliorer les performances de l'éducation » du pilier 2 intitulé « Engager la transformation structurelle de l'économie ». Vous convenez donc avec moi, mesdames et messieurs, que toute initiative allant dans le sens de l'accompagnement du système éducatif constitué de toboggans, balançoires, de mallettes de santé et comptes, des dispositifs de lave-main et bien d'autres, ce don vient soulager les acteurs du monde scolaire selon les autorités compétentes. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.